Don't know anything to take a get together. And we go down and we go down together. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière. Aujourd'hui je vais te parler du battleship proposé par Monster. Monster est assez connu par ses câbles audio ainsi que leur collaboration avec le fameux casque Dr. Dre. Là Monster ils se sont dit on a fait des choses assez intéressantes mais on veut faire plus. A été annoncé au CES 2017, c'est de faire des enceintes flottantes. Flottantes, ouais je sais. Ça peut paraître bizarre, ils en ont sorti, mais là, par contre, ils veulent sortir une nouvelle enceinte bien plus puissante, ainsi que des meilleures caractéristiques. Ils veulent sortir donc une enceinte avec 6 haut-parleurs avec des LED. Et que non seulement tu peux jeter cette enceinte et bien sur l'eau, dans la piscine, ou que ce soit dans un lac ou n'importe où, ça peut être dans ton bain, et bien l'enceinte va donc flotter. Après, le son sera émis correctement parce qu'il va flotter dans le bon sens. Et puis après, bien sûr, depuis ton application, tu peux créer des playlists, tu peux envoyer du son, donc ça a une distance d'environ 50 mètres. Je trouve que le concept, il est plutôt cool. Vous en pensez quoi, vous? Monster veulent même faire quelque chose d'autre. Ils veulent créer le mode Big Party. C'est un peu ce qu'on retrouve avec Yamaha ou même Bose. Le système un peu de cloud où tu peux en fait connecter 5 enceintes en synchro et balancer la même musique. C'est exactement ce qu'ils veulent faire. Par contre, avec une grosse autonomie. Même de 25 heures d'écoute. Ah ouais, ça, là c'est pas rien. Là. Tu fais une sacrée soirée avec 25 heures, mon gars. Je pense que là... on va falloir se doper pour tenir les 25 heures. Mais c'est très bien, franchement c'est cool d'avoir une aussi grosse autonomie. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on n'a pas la date. Il parle là ici d'un tarif pour pouvoir synchroniser les 5 enceintes. Il parle environ de 600$. Mais c'est très étrange. Parce que ça me donne des idées en fait. Je me pose des questions et je me dis maintenant, mais attends, si on fait des enceintes flottantes, eh bien après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des enceintes avec des moteurs. Ton smartphone, tu vas pouvoir en fait faire bouger ton enceinte. Après, par la suite, pourquoi pas, hein, ça peut être une idée, mais c'est vrai que là, on part dans une direction complètement folle. Imagine, t'as ton enceinte, tu la balances, il va sur le lac, tu peux pas le catcher parce que tu l'as balancé trop loin. Depuis ton smartphone, tu le contrôles et tu demandes à ton enceinte de revenir. Je viens de te créer l'enceinte télécommandée, voilà. Ça peut être sympa aussi, télécommander flottante en plus de ça. Bon, je taquine, mais le battleship proposé par Monster, c'est très sympa. Et quand j'ai vu un peu les vidéos qui circulent, je me suis dit, ah ouais, ça peut être cool. Et puis là, surtout, ils veulent sortir une plus grosse enceinte avec des meilleures caractéristiques. Donc pourquoi pas, ça peut être sympa à tester et même pourquoi pas la tester sur ma chaîne YouTube. Voilà les gens, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo un peu dans le high-tech parce que ça fait un petit bail et j'aimerais aussi faire le côté informatique et high-tech en même temps. Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, de me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi, tout ça c'est dans la description, et puis continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.